enfants à la maison. Tu sais, je pensais que connaître ma destinée changerait quelque chose. Mais je suis toujours moi. C'était pareil pour toi? Tu seras toujours celui que tu es, Loki. Il s'agit seulement de l'accepter. Et toi, tu l'as accepté? Je le pensais. On rebrousse chemin? Faisons plutôt le tour de la doline, ce sera plus rapide. Oh, je voulais te demander. Ta mère avait des visions. Les géants peuvent-ils tous prédire l'avenir? Certains. En rêve. Eh, oui. J'ai rêvé de Thor il y a peu. Thor? Et c'est arrivé. Il est venu chez nous. Quoi? Vraiment? Ça ressemble un peu à un cauchemar. Ouais. Un peu. Qu'est-ce que c'est? Quoi, les lucioles? C'est dangereux? T'es adorable. C'est joli. Oui. On arrive juste à temps. Pourquoi? Oh, waouh! Je sais que ça a pu être étrange, de bien des façons. Mais je suis contente que tu sois venue. Moi aussi. Maintenant que je sais comment venir jusqu'ici, je peux venir te voir quand je veux. D'accord? Quand? Je ne sais pas. Quand ce sera plus calme. Tu veux dire après le Ragnarok? Oui. Bien sûr. Je crois que je serai pas débordée. Allez, ma grande, tu peux y arriver. Y a quoi en haut? Un raccourci. C'est bien. Tu vas y arriver, Yala. Je crois en toi. Laissons Yala souffler. Je pensais ce que j'ai dit. Tu sais, à propos de tes peintures, tu es vraiment douée. Essaierais-tu de me réconforter? Oui, ça fonctionne. Redemande-moi dans... C'est pas trop tôt. Tais-toi! Il est trop tard pour te plaindre. Maintenant. Qui était-ce? Grilla. Elle. Non. Que lui est-il arrivé? Je ne sens... rien du tout. Il n'y a rien à sentir. Grilla a expulsé son âme. Tu sais où elle vit? Que vas-tu faire? J'ai enterré trop de loups cet hiver. Suis-moi.
vite. Oui, j'avais vu. Tu as pas. Attrape ça. Je m'en charge. Rencontrons Grilla. Ne fais rien de trop radical, s'il te plaît. Pourquoi ? C'est ma grand-mère. Quoi ? Elle n'a pas tout été ainsi. Elle a su que mon père ne ferait rien pour contrer son destin. Elle a changé. Oui, je vois. Nous allons devoir trouver un moyen de passer. Peux-tu voir quelque chose de l'autre côté ? Je regarde. On peut poursuivre. Beaucoup de géants ont vécu ici, au fil du temps. Je t'interroge sur ta mère. Elle a vécu une vie entière avant de m'avoir. Et j'en ignore tous les détails. Je regrette. Je ne sais rien à son sujet. Ta mère a quitté la voie des géants bien avant ma naissance. C'est la maison de Grilla. Pas de lumière. On doit être allé relever ses pièges, mais il peut y avoir des animaux à l'intérieur. Nous devons faire vite. Il y a une autre entrée, là-haut. Nous devons trouver un moyen d'y arriver. On peut sûrement monter de l'autre côté, mais je ne pourrai pas traverser. Hmph!
endroit où je pourrais monter? Et Grilla, pourquoi a-t-elle besoin des âmes de tous ces animaux? Elle peut vivre les instants de leur vie et se sentir libre. Le souffle du vent sur leurs poils lorsqu'ils courent, ne penser qu'à chasser et trouver un abri pour dormir. Mais rien n'est vrai. Ah. Oh. Grilla est toujours dehors. Waouh, tout est tellement grand. Où est le loup? Il y a une porte menant au sous-sol, ici. Elle y enferme peut-être les animaux. La clé est dans la serrure. Il n'y a plus qu'à la tourner. Loki. Hé, on connaît mon avenir. Il n'y est pas question de se faire tuer par ta grand-mère. Ça ne veut rien dire. Presque. Ça y est. J'entends quelque chose respirer. Moi aussi, mais je n'entends pas leur voix. On doit trouver un moyen d'aller là-bas. On n'a pas déjà vu ces tonneaux? Voilà. Je ne ressens rien. Comme pour l'autre. Elle a pris son âme. On ne peut rien faire pour lui. Tiens ça. Qu'est-ce que tu... Y a pas un géant que tu aimais? Pas trop? Non, rien. Celui-là. Non. Arrête. Ta mère a dit que je saurais quoi faire. Oui, le moment venu. Je viens de te les donner. T'as raison, mais... Ils ne peuvent pas rester cachés, non? Faut pas le laisser mourir comme ça. Tu es sûr? Non.
En fait, je ne sais pas comment m'y prendre. D'accord. On essaie ensemble. Vecchia. Vecchia. Ça a marché ? J'en sais rien. Tiens. Quoi ? T'abandonnes déjà ? C'est ta responsabilité. Non, c'est pas ça. Vraiment. C'est juste qu'il vaut mieux que tu les gardes. Loki, tu en es certain? Je m'appelle Atreus. D'accord. Repartons. Il faut remonter les escaliers. Désolé, je voulais pas... Nous devrons sortir par où nous sommes entrés. Elle ne doit pas savoir qu'on est venu. Nous remettrons cette tasse à sa place en passant. Nous devons fermer la porte. J'arrive. Tu auras tout oublié. Non. Mais elle va le tuer. Non, parce qu'on va l'en empêcher. J'ai évité ce moment trop longtemps. Elle va mal. Tu sais, tu devrais me remercier. À quoi bon s'encombrer d'une âme? Ça n'apporte que de la tristesse. Je t'envierai presque. Regarde, le chaudron. Sans lui, elle peut rien faire des âmes. Je vais la distraire. Toi, libère le loup. Ensuite, on brisera son chaudron. Tu es sûre de toi? Non. Mais on peut pas rester caché là. Vas-y. Tu étais prévenu! Je t'avais interdit de revenir! Cause toujours, regarde-moi! Il y a tant de choses que j'ai oubliées, mais tu refuses d'en faire partie! Les choses pourraient se passer autrement. Si le Ragnarok approche, ne préfères-tu pas qu'on l'affronte ensemble? Qu'est-ce que le destin ne t'a jamais apporté? Qu'est-ce que le destin de ta mère de nous quitter si tôt? C'est celui de ton père qui t'a épousé, cette sotte! Je ne t'abandonnerai pas! Oh, mais... Tu n'es pas venu seul? Loki! Loki! Mais n'est-ce pas? Sortez de chez moi! Par ici, suis-moi. Par ici. C'est ça! Courez! Monte par là, on peut rejoindre la cuisine.
Où êtes-vous? T'es sûr de vouloir y retourner? Je te l'ai dit, il le fait. Je vous entends. Là, il faut détruire ce chaudron. Tu peux traverser? Où es-tu? Tu te caches? Tu aurais dû rester avec tes peintures, Camille. Ne touche pas à ça! Le champion des Jotnars, dans ma modeste demeure. Tu en profites avant que ton père passe l'arme à gauche? Ne parlez pas de mon père! Soldin Kyupta! Tu seras parfait en laquais d'Oda. Laissez-vous! Ce sera un si bon père qu'il te fera oublier le tien en un rien de temps. Laissez-vous! Soldin Kyupta! Maintenant, attaque le chaudron! Pourquoi es-tu venu ici? Je dois pas rester au sol. Vous êtes des géants minables, tous les deux! Cette bougie là-bas, ça l'assommera peut-être plus la touche! Sauve! J'ai honte d'être ta grand-mère! Arrête, tu ne penses pas! Splingandi Kangu! Sauve! Vous ne toucherez pas à mon chaudron. Seigneur Bouddha, attention! Descends du comptoir! Vous ne le détruirez pas. On l'a assommé! Tire sur le chaudron! Pourquoi t'acharnes-tu contre moi, petite fille? Tu dois toucher les runes sur ton chaudron. Laisse-moi tranquille. C'est tout? C'est tout ce que j'ai! Hey, Fulana! Qu'est-ce que je t'ai fait? Tire dessus avant qu'elle te touche! Ça devrait dissiper ta magie! Si je vise ces bougies au bon moment, je peux la sauver. On l'a assommé, tire sur le chaudron. Ulfa Uta! Non! Arrête! Oh.
J'aurais dû te jeter en pâture au loup après t'avoir tiré du ventre de ta mère. Va-t'en! Mais je... Fiche le camp! Non. Allons-nous-en. Tu crois avoir accompli quelque chose, petite fille? Sache que tu n'es rien. Et personne ne se souviendra jamais de toi! Pas même Loki! Tu ne seras qu'un chapitre oublié dans son histoire! Il sera trop occupé à pleurer son père! Si je te revois, tu regretteras de ne pas être morte avec tes parents! Tu es sûre qu'on fait bien de la laisser ici? Si jamais elle venait te chercher. Elle me laissait à manger avant. Quoi? Elle disait qu'elle n'en avait rien à faire de moi, mais... Parfois, quand je me réveillais, il y avait un pain posé à côté du feu. Il était cuit comme elle seule en avait le secret. Ce n'est pas un monstre, tu sais. Elle est perdue. Tu veux marcher? Tu devrais rentrer. Tu es parti plus longtemps que tu ne le crois. Hunger Buddha. Ça va. Ça devait arriver un jour. Nous serons rentrés une fois de l'autre côté de ce passage. D'accord. En deux manches gagnantes ? Atreus. Une course ! Allez ! Je sais ce que t'essaies de faire. Tu prendrais ta revanche sur la dernière fois. Et j'apprécie... La dernière fois, c'est moi qui ai gagné. Il me semble qu'on était ex aequo. Je suis sûre du contraire. Alors prouve-le-moi. Un, deux, trois, partez! Allez. Alors, tu viens ou pas? Ton renard? Oh non, tu triches! Attention au virage! Je n'ai absolument aucune idée de ce que tu dis! Ce chant sent toujours merveilleusement bon. C'est sûr que ton nez est plus fin comme ça. Ne te laisse pas distraire! Tu vas vraiment encore me laisser gagner? Loki, Atreus, merci. Je suis désolé qu'elle ait été dure avec toi. Moi aussi. Bien, j'imagine que tu veux rentrer chez toi. Je te retrouverai à la fresque quand tu seras prêt. Je suis obligé de partir? Uniquement si tu le souhaites. Tu n'y crois toujours pas, hein? J'y arrive pas. Tu penses que je suis stupide? Je pense...
que tu tiens beaucoup à ton père et que l'idée qu'il puisse lui arriver quelque chose t'est insupportable. Viens. Je veux te montrer quelque chose. Lofey. Ma mère ? J'aimerais qu'il ne soit pas vide, mais... je sais ce que ça fait... de perdre un parent. Et même deux. Ta mère n'est peut-être plus là, mais ton père... tu as encore le temps... de lui dire au revoir. Je comprends ce que tu veux dire. Et je te remercie. Vraiment. Mais... j'en sais rien. J'ai du mal à croire qu'on soit des pages d'une histoire déjà écrite. Qu'est-ce qui va t'arriver ? Je ne sais pas. Je te l'ai dit, quand tu seras parti, mon rôle sera terminé. Alors, tu peux rester. Je crois que c'est à toi de décider de ton rôle. Qu'est-ce que tu vas faire ? Aucune idée. Mais je peux pas laisser mon père mourir. Il faut que j'y retourne. D'accord. Les étoiles sont différentes. Non. C'est toi qui es différent. Je sais qu'on se reverra. Bien sûr. Maintenant, ferme les yeux et serre-la fort dans ta main. Ne la lâche surtout pas. Ta maison, visualise-la et répète le mot. Maison. 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 Comme ça. Autre maison. Non.
Je dois rejoindre Sindri et trouver un moyen de sauver mon père. Et garder le secret sur le bois de fer et Hunger Buddha par-dessus le marché. Dans quoi je me suis fourré? Je ferais mieux de rentrer avant qu'il remarque mon absence. Pendant deux jours. Je... Arrête de me mentir! Pourquoi je te trouve ici? Tout seul? Cherches-tu à mourir? Pas plus que toi. Pourquoi? Parle. Qu'est-ce que tu refuses de me dire? J'ai tenté de suivre cette voie avec toi. Nous nous plions à tes caprices. Mais tu crois à rien de tout ça? Et pourtant je te suis! Parce que tout ce qui compte, c'est que tu sois sauf. Mais c'est pas tout ce qui compte! Qui te protège, hein? Je n'ai pas besoin que tu me protèges. T'en es vraiment sûr? Qu'as-tu appris? Je peux pas t'en parler! Mais tu dois me faire confiance! Moi, malgré tes secrets, je te crois! Ce n'est pas pareil! Pourquoi? Tu cachais des choses! Mère cachait des choses, tu avais tes raisons, et moi aussi! Pourquoi tu ne veux pas? Plus tard. Derrière toi! Attention! Qu'est-ce qu'on vous a fait?
échapper. On peut vous libérer. Oh, elle m'a l'air bien assez libre. Imaginable. Atreus, c'est pas ce que tu veux. Calme-toi. Contrôle-toi. C'était notre ami. Peut-être. Pour l'instant, tu me seras plus utile. Vivant. Atreus, rentre. Quoi ? Vraiment ? Tu me diras la vérité à mon retour. Pour l'heure, je dois arranger ça. On l'emmène. Oh, Votre Majesté. Quel plaisir de vous revoir. Broadneffer. Et ne le quittez pas des yeux. J'ai compris, petit gars. Avance plus vite que ça. Qu'est-ce que tu veux ? Je refuse de rester lié à ce royaume. Nous partons pour Vanaheim. Bon, ben je crois qu'il n'y a plus que nous. Oh. Il y a un passage pour Vanaheim, c'est parti! Comment voyageras-tu si tu... prisonnière. Jusqu'à... Ce dont j'ai besoin, j'ai préparé un sortilège qui m'empêchera d'être attiré hors du royaume. De quoi s'agit-il ? De la source de magie qui me vient de là. Nous allons la trouver et la détruire. Je t'aiderai. Mais cela ne changera rien à ce que j'ai fait. Je sais. Je déciderai de ton sort quand nous en aurons terminé. Bon, qu'est-ce qu'on attend ?
n'irai nulle part sans ça. Qu'est-ce que vous feriez sans moi pour vous sauver les miches? Et pourquoi as-tu besoin de Kratos, Altès? Manifestement, tu as pu te défaire des malédictions d'Odin toute seule. Fimbulwetter avait affaibli les autres malédictions, et j'avais eu besoin d'aide pour les rompre. Celle-ci est puissante. Alors, tous ces efforts pour le tuer, c'était simplement un divin appel à l'aide? Je ne me rappelle pas t'avoir demandé de venir. Parce que tu l'as pas fait. Je comptais retrouver une vieille compagne de beuverie quand l'occasion de lever le coude se présenterait. Comme on va sûrement finir par se rendre au même endroit, autant vous filer un coup de main. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Eh ben, aux dernières nouvelles. Elle musardait avec le pencu qui te sert de frère. Frayeur n'a rien à voir avec ça. Ouais, c'est pas ce que me dit mon petit doigt, ni mes baloches. Je sens l'attraction du sort d'obédience. Sa source est un peu plus loin. Suivez-moi.